Salut tout le monde et bienvenue au Jardin de Latine. J'étais en train de nettoyer ce petit massif et je me suis dit, bon, comme ça a été la star de mon jardin cet été, ça serait quand même une bonne idée que je vous en dise un petit peu plus sur cette plante merveilleuse qui a été une des rares qui a passé l'été d'une manière exemplaire. Tu as été exemplaire et tu es magnifique. Allez, c'est parti. Il faut savoir que les sédums font partie des plantes succulentes. Bon, un peu comme des cactés, hein. Ouais, c'est-à-dire que leur feuillage se gorge d'eau, on va voir ça, et permet donc de résister à de fortes températures. Donc c'est la plante qui a le mieux supporté la sécheresse au jardin. Voilà. Ça, c'en est d'autres variétés. Hein, c'est magnifique, n'est-ce pas? Alors, parmi les sédums, on va trouver différentes variétés. On va trouver des sédums qui vont être tapissants. Souvent, on les utilise sur les toitures jardin, qui va être aussi très joli sur une rocaille. Et puis après, bah, ça va monter. Il y en a pareil, des arbustifs. J'en ai un qui est grand, qui fait 1 mètre, même plus d'un mètre. Hein. Bon, ce qui fait au moins peut-être 1,20 m, celui-là. Alors, je ne connais pas le nom. Et puis, vous voyez, il y en a de cette taille-là. Ou encore un petit peu plus grand, comme celui-ci, qui est le Matrona, on va le voir. Alors, les sédums sont de super plantes mellifères. Il y a tellement de petites fleurs à les butiner. Regardez-moi comme ce bourdon se régale. Ah là là, c'est un plaisir de les voir. Là, il y en a un deuxième juste en dessous. Je me déplace, regardez. C'est le buffet. On se régale. Hein, on y va, allez. On butine. Ça va vraiment nourrir nos petits insectes sur la fin de la saison où il y a encore besoin de se charger en énergie pour passer tout l'hiver. Où est-ce que vous pouvez installer vos sédums? Eh bien, les sédums vont préférer le soleil. Ah bah oui, c'est pas une plante succulente pour rien, hein. Elle va aimer être en plein soleil, alors elle supportera bien la mi-ombre. Là, c'est un pied, vous voyez, qui est quand même assez joli et qui est positionné en mi-ombre. Et par contre, pour le sol, eh bien, c'est pareil. Ça aime le sec. Donc, un sol argileux, c'est pas trop de son goût. Ça va pas s'y plaire aussi bien que dans un sol qui va être vraiment drainant. Donc, si vous avez un sol un petit peu lourd, qui retient trop l'humidité, hein, eh bien, n'hésitez pas à faire des apports de sable, de matière organique pour alléger et aérer et favoriser donc le drainage au pied de la plante. Voilà. Bon, il est joli, hein, celui-là aussi. Ouais, franchement. Bon, si vous n'avez pas de jardin, mais que vous avez un petit coin de terrasse, eh bien, n'hésitez pas, c'est la plante à utiliser dans vos poteries. Hein. Et allez-y, ça supporte le sec, avec un bon petit drainage en bas du pot, là, pour éviter qu'il n'y ait pas trop d'accumulation d'eau. Allez-y, vous aurez de super résultats, même vous pouvez mélanger les différents types de sédums. Jusqu'ici, on a vu que les spectabilis, hein, c'est sédums qui montent à 50-60 cm ou un petit peu plus, mais il y en a d'autres. Je vais essayer d'en trouver d'autres, parce que là, sous la main, j'en ai pas, il va falloir que je me promène un petit peu. Alors côté nom, il faudra pas être exigeant avec moi. Moi, je fais des troc-plantes et parfois, on ne connaît pas les noms des plantes que l'on échange. Donc, j'ai fait quelques suppositions. Celui-ci, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas trouvé malgré mes recherches. Je n'ai aucune idée du nom de ce grand sédum. C'est un sédum qui se tient bien, qui a une tige vraiment rigide et droite. C'est pas le cas de tous les sédums. Je vais vous en montrer un autre. Ensuite, j'ai celui-là. Alors celui-là, j'ai cherché un peu. Je me demande si c'est pas le Septemberbloc. Voilà, si vous avez une idée. En tous les cas, il y en a un que je suis sûre. Je suis sûre du nom, celui-là. Celui-là, c'est le Matrona. Je l'adore. Regardez, son feuillage est légèrement bordé de mauve. Il est très joli avec cette fleur un petit peu lit de vin. Quand on regarde la fleur de près, on voit toutes ces nuances avec ce blanc, etc. C'est un de mes préférés. Il se tient très très bien. Parce que c'est souvent un des reproches que l'on peut faire à certains sédums, c'est que la touffe s'écrase.
Bon, alors ça arrive aussi particulièrement quand votre touffe est trop vieille. Voilà, donc faut pas hésiter quand ça commence trop à s'étaler, à diviser votre touffe. On va parler de ça un petit peu plus tard. Les sédums spectabiles vont fleurir en août-septembre jusqu'à fin octobre, début novembre. Donc on profite vraiment de leur couleur et de leur texture. Vous voyez ce côté argenté là du feuillage qui est magnifique. Donc on profite de tout ça jusqu'à la fin de l'année. Je me dirige maintenant vers le jardin des ornementales comestibles parce que il y en a quelques pieds là-bas. Et il y a notamment un pied. Bon, tous les ans, je le trouve pas top. Alors est-ce que il faut qu'il grossisse un petit peu plus? Bon, je vous montre ce sedum. Alors, il y a tout le monde, toute l'équipe. Cette partie-là du jardin, c'est un petit peu remise. Mais vous voyez, c'est encore très très sec. Et regardez, ça c'est le sedum que je voulais vous montrer. Alors il fait de super repousses, mais les fleurs, elles se mettent au sol comme ça, elles ne se tiennent pas du tout. J'en ai un autre pied, je vous montre. Voilà l'autre pied. Alors vous pouvez observer que les tiges sont par terre. Elles ne se tiennent pas du tout. Au contraire de ce jeune pied. Vous voyez celui-là, ben, ça se tient très très bien. Pourtant c'est un jeune pied. Donc les différentes variétés vont avoir différentes capacités à se tenir, les couleurs, etc. Donc renseignez-vous bien. Si c'est évident maintenant pour vous l'intérêt d'utiliser les sédums dans des massifs, pour votre jardin, mais pensez-y pour d'autres constructions ou d'autres aménagements. Dans le milieu urbain, vous avez certainement pu observer des toitures végétales. Alors il y a même de plus en plus de privés qui s'y mettent et c'est génial. Les toitures végétales, eh bien, peuvent être couvertes de ce petit sédum, celui qui est vraiment très très tapissant. C'est vraiment joli. En plus, il y a énormément de couleurs, de feuillages, de fleurs, etc. Donc vraiment, vraiment une plante idéale pour les toitures végétalisées. Et il n'y a pas que ça. Vous avez certainement observé dans les aménagements les plus récents de certaines villes, eh bien, les zones de stationnement qui sont végétalisées. Alors avant on mettait du gazon, bon, vous savez ce que ça donne un gazon sec. Voilà, c'est pas top. Mais par contre, un sédum dans les petites grilles là où vous vous garez, eh bien ça résiste beaucoup mieux. Donc c'est une plante qui est de plus en plus utilisée pour les zones de stationnement. Voilà, hein, installé au pied de cet arbre. Bon, il n'y a pas que les sédums. Je sais pas si vous reconnaissez l'intrus. Quel intrus ? Un autre intérêt du sédum, eh bien, il se mange. Et oui, bon, pas tous. Attention, ne tentez pas de manger du sédum acre. Je pense pas que ça vous fera le même effet que le spectabilis. Allez-y sur le spectabilis seulement, hein, voilà. Et toujours avec modération, on tente, on goûte. Tous les spectabilis ne sont pas bons, il y en a qui vont avoir plus le goût de petits pois, ben oui, parce que c'est ce goût-là que vous allez rechercher, que d'autres. Voilà, en tous les cas, moi j'en ai un au potager. Regardez comme il est joli. Alors c'est pas maintenant que je vais manger mes feuilles de sédum parce que ce sont bien les feuilles que l'on va manger au printemps quand la tige va pousser. Les feuilles sont croquantes, bah oui, il y a toute cette eau dedans et elles ont le goût de petits pois, incroyable. Donc vous pouvez les couper en petits morceaux et les mettre dans les salades, c'est vraiment super. Et comme c'est une plante mellifère, eh bien, dans le potager, elle a complètement sa place, elle se mange. Elle attire les insectes qui vont polliniser les autres plantes. Parfait. Regardez en plus l'effet que ça a à côté de mon pied de courgette quand même. Quand même. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors vous demandez certainement comment on entretient ces petites bébêtes. Eh bien, c'est très simple. Vous allez laisser l'inflorescence sécher en hiver. C'est très joli. Si vous voulez voir ce que ça donne, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite sur les plantes structurales en hiver. Je vous mets le lien en haut. Et au printemps, vous enlevez simplement ces inflorescences séchées. Donc c'est très très simple. Vous pouvez diviser la touffe quand elle est trop grande avec un simple coup de pelle. Vous aurez plein de bébés. Moi ça m'arrive
quand j'ai pas le temps d'attraper des sécateurs pour tirer les inflorescences séchées, de tirer dessus et d'avoir des petits pieds à la base, donc idéal pour les rempoter. Donc c'est une plante qui est très très simple, vous n'aurez pas de problème de parasites. Si vous voulez faire de la multiplication autre que la division de touffes, comme je viens juste de vous en parler, eh bien vous pouvez faire de la multiplication par des bouturages de branches. Alors vous prendrez les branches qui poussent au printemps, vous les laisserez sécher pendant une à deux journées avant de les replanter dans des petits godets en surveillant qu'il y ait très peu d'arrosage, ça vous l'aurez compris. Je trouve qu'ils ont bien raison de butiner ces fleurs, ces petits insectes, parce qu'il y a un autre intérêt à ce sédum, c'est qu'il sent très très bon. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé découvrir cette plante si vous ne la connaissiez pas. Mais si vous la connaissez, ben peut-être que vous serez même capable de m'aider sur l'autre là-bas, la grande. La grande, j'ai besoin de votre aide pour que vous m'aidiez à trouver le nom de ce sédum. Voilà, c'est vrai que j'ai entendu parler de sédum arbustif. Si vous connaissez aussi, je suis preneuse parce que j'ai trouvé aucune image sur ce type de sédum là. Donc voilà, on va s'aider les uns les autres. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao!